Se reposer sur ses acquis n'est pas qu'une faute, c'est aussi de l'arrogant. Ne croyez pas que tout ce que vous avez acquis le restera. Vivez comme si vous deviez toujours retrouver chaque chose que vous avez et vous ne les perdrez jamais. Capua est tombée entre nos mains, et une de nos flottes fait un blocus sur Terracine, une ville un peu plus au nord. La fin de Rome approche, mais ces territoires au nord sont encore loin, et produisent beaucoup de troupes, qui arriveront tôt ou tard en renfort. J'ouvre un autre front, j'envoie une armée stationnée en Corse chez les Étrusques. Elle traversera leur territoire pour arriver sur les villes côtières romaines de Ancona, Pisorum, ainsi que la cité de Corfinium. Pendant ce temps au sud, Capua subit une attaque de deux légions romaines. On voit qu'ils sont désorganisés. Regardez, leur armée compte nombre de mercenaires. D'ailleurs, ça leur a bien porté préjudice lors de cette bataille. Elle fut très simplement remportée, car ils ne savaient pas où donner de la tête. Leurs deux légions fuient. Nous les rattrapons et prenons Terracine. D'ici, j'entends Rome. En fait, non. J'entends les fuyards. J'entends la ville se vider. Il ne reste que quelques troupes selon nos informations. Mais le combat pour Rome sera difficile. Nous devons affaiblir au mieux leurs troupes. Le manque de nourriture sera le meilleur choix. Pour ça, je vais attendre que mes armées au nord prennent Pisorum et... Ah! Attendez! Ah! On m'apprend à l'instant qu'elle vient d'être capturée. C'est parfait. Et ah! Une de mes flottes arrive à Ancona, déjà? C'est plutôt prévu. Et bien que l'armée à Pisorum et ma flotte coordonnent une attaque et prennent cette ville le plus vite possible. Ensuite, vous irez à Corfinium. Malgré ses pertes, Rome, qui ne possède maintenant que deux cités, bon, et les terres aux alentours bien évidemment, garde 5 légions actives. C'est un exploit en vue de leur état. Même les Samnites voient la fin de Rome. Ils rompent, moyennement paiement, leur traité d'état client. Il est temps d'aller sur Rome. Quoique, je vois qu'ils ont placé une de leurs armées chez les Étrusques, juste à côté, pour y être ravitaillés en nourriture. Soyons patients. Nous devons éliminer les légions. Et pour ça, je fais lever des armées de mercenaires en Italie. Elles protégeront les prises et extermineront les légions romaines des environs. L'heure de prendre Corfinium est venue. Elle tombe juste avant le début du siège de Rome. Ça y est! C'est la dernière étape de ma raison d'être! Ça va bientôt s'achever! C'est l'heure! À l'assaut, braves de Carthage!
Hey yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout dernier épisode. C'était le dernier épisode de la revanche d'Hannibal. J'espère que cette série vous aura plu autant qu'à moi j'ai eu à la faire. En tout cas, à l'heure actuelle, vous êtes 175 à être abonné à la chaîne. Je vous remercie. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre les épisodes. Je vous en remercie tout autant. Voilà, c'est un plaisir, d'autant plus qu'il y a des matins où je me réveille et je vois vos messages super positifs dans les commentaires, en disant ouais, voilà, je viens de te découvrir, j'aime beaucoup ton contenu, c'est juste génial de se réveiller avec ça le matin. Alors j'espère que vous, le matin, vous réveillez un matin sur deux avec mes épisodes et qu'ils vous plaisent tout autant que vos messages me font plaisir. Alors un grand merci à ceux qui laissent un message et à ceux tout simplement qui regardent et qui passent un bon temps. J'espère que ça vous plaît vraiment. On partira sur la prochaine saison. On va partir un tout petit peu de Rome 2 Total War. On y reviendra plus tard, mais on va partir sur du Bannerlord. Bannerlord de Mountain Blade. Sans mode, hélas. Les mods sont un petit peu cassés en ce moment à cause de la dernière mise à jour. Ça me pose pas mal de problèmes, j'ai perdu quelques records par rapport à ça. Voilà, on va se faire un petit Bannerlord avec. Je vais jouer la faction Vlandaise. Voilà, pour tout dire, j'ai même pas fini de tourner encore, on va voir ce que ça donne. comme je disais, Rome 2 reviendra très vite avec. Alors, en grande campagne, avec. Bon, je vais arrêter le suspense, mais avec les Spartiates. Voilà, on va jouer Sparte. Et il y aura aussi un grand nouveau. Je vous spoile pas, ce sera la grande surprise. Mais il y aura un grand changement dans le let's play narratif. Ça sortira normalement pour Sparte courant septembre, mi-septembre. Le temps que je reçoive 2-3 trucs. Hop, j'en dirai pas plus. Pour le prochain let's play, ce sera comme d'habitude, normalement dans 2 jours, peut-être un petit peu plus, le temps que je tourne les vidéos nécessaires. Mais il y aura quelque chose pour combler. Si le let's play sort pas dans 2 jours, il y aura un petit truc pour combler entre deux. Voilà, je vous laisse pas sans vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques, quoi que ce soit en commentaire. Par exemple, j'ai essayé lors de ce dernier épisode, simplement une petite session, on va dire, style. Je sais pas trop. Comment dire, mais reportage, mais sans. Même pas un reportage, mais simplement un passage sans voix, avec que de la musique et des passages de bataille. Ouais, n'hésitez pas à me faire un retour sur. Que ce soit en bien ou en mal, que ce soit positif ou négatif, toute expérience est bonne à prendre. Allez, encore une fois, je vous dis merci à tous, j'espère que ça vous plaît, j'espère que les prochaines séries vous plairont d'autant plus. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, c'était Thiam. Ciao.